Mes très chers amis, bienvenue. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la grande expérience satanique d'Élise Bell. Il y a aujourd'hui 120 ans, un jeune homme dont le nom était Élise Bell est sorti de cette maison, a suivi cette allée et est entré dans ce pavillon d'été. Là, il écrivit un roman qui allait permettre à notre beau village d'Upper Warden d'être connu dans le monde entier. Le roman s'appelait « La maison de Satan ». Aujourd'hui, ce magnifique roman va devenir un film à grand budget. Le rôle d'Élise Bell va être interprété par la vedette de ce beau film, qui est aussi un des plus célèbres fils d'Upper Warden, Larry Smith. Larry, Larry, on te file 5000 livres pour descendre une petite allée jusqu'à ce pavillon. Je ne veux pas être badigeonné de sang. Et j'ai une petite surprise à l'intérieur pour toi. Quoi? Une dose minuscule de cette poudre qui te fait tellement de bien. Alors, marche vers ton destin satanique, le front bien haut, tu vois ce que je veux dire, fiston? Descendre la colline, Troy. Je croyais qu'on allait dans le haut du village? Oui, c'est exact. Mais pour le haut du village, il faut passer par le bas. Je suis absolument désolé. Ça n'a aucun sens. Troy, on est à Midsommar. Oh, pardon, j'avais oublié. Semtex ou quelque chose du même genre. On peut en acheter dans des marchés de voitures d'occasion si on sait regarder. Déclenché par quoi? D'après mon expérience, je pencherai pour un système de télécommande. Où se trouve le corps? Et dans un sac. Il y a eu une forte explosion, alors il a été quelque peu dispersé. Troy dit que je devrais connaître le nom du mort. Larry Smith. Non, Larry Smith.
Mais pourquoi prends-tu une voix aussi ridicule pour dire ça? C'était sa façon de parler. En fait, il s'était fait un nom dans une série télé qui parlait de gentils gangsters de l'East End, appelés les Vieux Diamantaires. Il était vraiment célèbre? Il a fait toutes les couvertures. Il avait toujours un problème avec les femmes et l'alcool. Mais alors, qu'est-ce qu'une vedette de télévision faisait dans le jardin d'un manoir? Apparemment, c'est le fils du vicaire. Attention, voilà le père Fouettard. Mike, quoi de neuf? Oh. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On maintient la tradition familiale. On lui dit la vérité? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Bonjour, je suis l'inspecteur chef Barnaby. Oh. Rupert Smythe Webster. Oui. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Enregistré et apprécié, monsieur l'inspecteur. On vous a gardé une place. Merci. Bien. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Mon jeune frère Simon et sa femme Laura. Et de ce côté, mon jeune frère Franck, qui se joindra à nous quand il le jugera bon. Et moi, chérie? Ah, pardonnez-moi, inspecteur, c'est ma troisième femme, Wendy. Quatrième. Un mot? Et Larry Smith, c'était votre fils? Oui, c'était mon fils. Nous l'avons élevé sous le nom de Lawrence Smythe Webster. Larry Smith est une créature qu'il a inventée après avoir quitté la maison. Ça n'est pas tout à fait juste. Ah, voici donc mon jeune frère Francis, monsieur l'inspecteur, qui se fait appeler Frank. Racontons à monsieur l'inspecteur tout ce que nous savons sur notre neveu. Il avait de très beaux cils. Vous vivez tous à Upper Warden? Nous sommes une famille dont la tradition remonte à 1000 ans, Barnaby. Le premier enfant mâle reste à la maison. Nous habitons l'aile ouest. Le deuxième fils entre dans les ordres et devient vicaire de Upper Warden. Et le plus jeune part pour les croisades. Mais j'ai décidé de faire la paix avec les infidèles et devenir producteur de films. C'est vous qui avez produit La Maison de Satan? Il s'agit du plus gros budget de production de films de cette dernière décennie. Le plus gros est effectivement un peu plus juste. Nous aurions besoin d'une grande pièce où nous pourrions installer provisoirement notre quartier général. Oh, absolument aucun problème. Simon va vous prêter la salle de catéchisme. On a besoin de cette salle pour les répétitions du concert pour l'anniversaire de l'école. C'est la volonté de Dieu, Simon. Non, c'est faux, c'est ta volonté. À Upper Warden, c'est exactement la même chose. Salut, Danny. Hé, hey, Phil. Café? Et comment? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais réparer les gouttières du pavillon? J'avais commencé. Et il a fallu que je m'occupe du jacuzzi de sa seigneurie. T'es pas le premier. Ah, allez, au pauvre Larry. Hey, au pauvre Larry. Bon,
Tu as encore un peu de café? Prends-la. On se voit au club tout à l'heure. Ouais. Salut. Apparemment, tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges. Qui dit ça? L'homme à côté de qui j'étais, dans le groupe de paysans. Un villageois déguisé en maréchal Ferrand. Il a dit qu'Elisabeth ne s'était jamais approchée de ce pavillon. Il a écrit le roman dans le village voisin, Lower Warden. Mon voisin m'a affirmé que le film était une parodie et que tout ça, c'était la faute d'Oliver Cromwell. Tu le reconnaîtrais, ton voisin? Mais pas sûr. Il avait une énorme moustache. Mais c'était quelqu'un d'ici? Ce n'était pas quelqu'un de Coston? Je suis certaine qu'il était d'ici. On était là simplement pour faire nombre. Une journée en plein air, un buffet génial. C'était vraiment un excellent déjeuner. Le chef Danny a une spécialité, les boulettes de viande. Un garçon très bien. Apparemment, il venait de perdre sa mère, mais il avait insisté pour tenir son rang. Vous êtes seul, monsieur? Eh oui, Danny. La famille m'a abandonné. Nous sommes tous effondrés par ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur. Merci, Danny. C'est très gentil. Et je vous remercie beaucoup pour être quand même venu aujourd'hui. À cause de ma mère? Sitôt après l'enterrement. Elle a mis Larry au monde, vous savez. Vous auriez fait la même chose pour moi, je suppose. Mais je me demande si vous vous rendez compte de la tragique ironie de tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Se faire exploser, c'est forcément un peu tragique. Ce qui est ironique, c'est que, du point de vue du film, tout comme celui de ce manoir, la mort de Larry pourrait bien se révéler être une très bonne affaire. Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Frank Smythe Webster. Il se fait appeler Frank Webster. Alors je voudrais lui parler, quel que soit son nom. Il fait sa gym dans le gymnase d'Elisabeth. Attendez, ne m'en veuillez pas. C'est purement un concept de pub. Merci, Hélène. Allons, Mike, pas de panique. Je vous assure que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas Gertrude Stein qui disait « un homme est un homme et n'est qu'un homme ». Ah, attendez. Je vous rappelle, dans quelques minutes. Inspecteur chef Barnaby, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Répondre à une simple question. À qui profite la mort de votre neveu? Certainement pas à moi. Vous vous rendez compte qu'on commence le tournage de la Maison de Satan 2 le mois prochain? Non, non, je ne m'en rends pas compte. Il va falloir que vous trouviez un autre acteur. Ouais. Et quand les agents voient dans quelle impasse nous nous trouvons, le cachet du remplaçant crève le plafond. Je trouve ceci des plus déprimants. Il ne s'agit que de ça, finalement? D'argent? Mais oui, l'argent fait marcher le monde. Voyons, inspecteur, qu'est-ce que vous espériez? En fait, j'espérais sans doute un peu plus de tristesse de la part de la famille du défunt. Excepté, évidemment, sa mère. Vous pouvez mettre ça sur le compte du célèbre flegme britannique, inspecteur. Mais plus précisément, c'est dû au fait que personne ne l'aimait. Monsieur Webster... Appelez-moi Frank. Oui, Frank. Je vais être malmené par les médias au cours de ma conférence de presse. Vous voulez bien m'épauler, s'il vous plaît? Avec plaisir. Toute publicité est une bonne publicité. Oui, oui. Oui, je vous rappellerai. Larry Smith était non seulement mon neveu, mais un garçon très sympathique.
et un ami très cher, destiné, j'en suis convaincu, à devenir une grande vedette internationale dans le projet que nous avions conçu, la Maison de Satan 2. Nous ne voyons pas qui a pu commettre ce crime odieux, mais nous apporterons tout notre concours à la police pour traîner l'assassin devant la justice. Merci. Merci, Monsieur Webster. Je vais répondre aux questions maintenant, s'il vous plaît. Murdoch, de l'écho de Coston. Oui? Connaissant le passé d'utilisateur de substances illégales de Larry Smith, croyez-vous que son meurtre puisse en être une conséquence? À cette minute, aucune piste n'est écartée. Jack Wilson, la lettre ecclésiastique d'Upper Warden. Je tiens aussi la librairie qui est située au centre-ville. Avec tout votre respect, notre ami ferait bien mieux de retourner chez lui à Coston. C'est un événement purement et simplement local. Merci, Monsieur Wilson. Quelle est votre question? Je n'ai pas de question, je mets simplement les choses au clair. Nous parlons d'Upper Warden et de Lower Warden. Oui. Monsieur... Nous entretuons ici depuis l'époque de Cromwell et nous n'allons pas changer maintenant. Jeff. Le 14 mars 1643, c'est le jour où tout a commencé. Monsieur Wilson, vous voulez m'excuser une petite minute, mon adjoint a besoin de me parler. Quelle est l'urgence? Une violente bagarre. Vraiment? Et qui s'est battu? Toutes les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'apportais mes fleurs pour Larry et elle était là avec ses fleurs pour Larry. Ça lui aurait certainement fait plaisir de recevoir des fleurs de toutes les deux. Quand l'avez-vous connue? L'an dernier. C'est là qu'ont commencé nos relations. C'est aussi à ce moment qu'ont commencé nos relations. Elle appelle ça des relations. C'est pour ça que je lui ai dit qu'elle était une grosse truie et elle m'a frappée avec ses fleurs. Comment peut-on faire saigner avec des fleurs? C'était une composition. Dans un pot. J'ai toujours pensé qu'une jolie composition était plus appropriée pour ces occasions. Je crois que ce qui serait le plus approprié pour vous deux, ce serait de rentrer chez vous et de grandir un peu. Dans l'ordre que vous voudrez. Allez, Oust. Ah, il semble ne pas avoir chômé pendant son séjour ici l'an dernier. Jane, Caroline, Michel, Fiona. Hein? Celles-là sont de la part de Darren. Darren, est-ce que tu sais qui ça peut bien être? Apparemment, c'est le fou de vidéo local. Il a couvert l'événement. Il est tellement paranoïaque qu'il mérite une visite. Il lui arrive parfois de donner un coup de main au libraire. Bonjour. Je cherche Monsieur Wilson. Ah, il n'est pas là. Vous devez être Darren? Oui, vous êtes très fort. Un coup de chance. Monsieur Wilson est sorti livrer ceci. Ceci? Non, il ne livre pas ceci. Il livre ce que nous avons déjà fait, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Je peux? Oh oui, c'est gratuit. Monsieur Wilson a sorti une édition spéciale à cause du meurtre. Et il a écrit un éditorial laissant entendre que la police n'a toujours aucun indice. Ah! D'accord. Je vous sers un peu de thé? Oui. Et ensuite, vous me parlerez de l'indice que la police n'a toujours pas. Thank you.
Et voilà, mon cher Barnaby, c'est votre première expérience satanique. C'est tout simplement une pièce sombre avec des bruits étranges. C'est un hommage. Une scène clé du film. Notre héros est enfermé dans une pièce sombre par des bandits. Et ils le poussent à la folie par une suite de bruits inexpliqués. Ensuite, bien sûr, il retrouve tous ses sens pour aller punir les méchants. Un hommage? Selon le résultat de nos études de marché, les admirateurs de ces films adorent les hommages. Montrez-leur un petit requin en plastique ou un drap de douche de psychose et ils se mettent à sauter de joie et à fouiller dans leur portefeuille. Où sommes-nous exactement? Directement sous le gymnase, n'est-ce pas? Bravo, bien vu. Et ça veut dire quoi, ça? État de guerre avec Lower Warden? Monsieur Wilson pourra vous répondre. Et Oliver Cromwell? Monsieur Wilson pourra vous répondre là-dessus aussi. Est-ce que vous savez quelque chose? Disons que je m'y connais en film classique et en série télé, je connais le prisonnier et le docteur Wu. Avez-vous déposé un bouquet de fleurs sur les lieux du crime? Eh bien, oui. Aviez-vous des relations avec Larry Smith? Non, je n'avais aucune relation avec lui. Mais j'ai les 26 épisodes des Diamantaires en vidéo et la Maison de Satan en vidéo et en DVD. Dites-moi comment vous avez connu Larry Smith. C'était l'an dernier, quand ils ont tourné le film. J'étais femme de chambre dans la maison où il était descendu avec l'équipe de tournage. Et vous êtes tombée amoureuse? Oh, ça, c'est un peu exagéré. Mais vous avez eu une relation intime? Oh oui, on a bien eu une relation intime. Combien de temps ça a duré? De bonnes heures, à peu près. Émilie, ma belle, la mémoire peut jouer de drôles de tours. Y a-t-il un moyen qui pourrait vous convaincre que ça pourrait avoir duré un peu plus longtemps que ça? Bon. Racontez-moi donc votre nuit de passion avec Larry Smith. Ça s'est passé un jeudi après-midi. Émilie, qu'est-ce que je viens de dire? Je ne pourrai jamais oublier la première fois qu'il m'a regardée dans les yeux. Ça vous plairait de devenir célèbre? Je voudrais bien, mais je vois pas comment ça pourrait m'arriver, pas vous? Il faut espérer. Si vous êtes le meurtrier de Larry Smith, vous allez devenir célèbre. Mais seulement pendant 15 minutes. Ça vaut pas le coup. Je parie que vous avez tourné une vidéo sur les événements d'hier. Oui, je fais des vidéos de tout ce qui se passe dans le village. Ça pourrait être une pièce à conviction? Bien sûr. Rappelez-moi de vous l'apporter la prochaine fois qu'on se verra. Je vous le rappelle tout de suite, Darren. Et vous pourriez me vendre une copie de la Maison de Satan avant que je m'en aille? Bien sûr. Laquelle voulez-vous? Il y en a plusieurs. Il y en a deux. Et voilà le bouquin du film et celui d'Elise Bell, la version originale. Ils sont différents? Oui, le bouquin du film contient aussi le cachot hanté. Oh! Il vaut mieux que je prenne les deux, alors. Je suis désolé, nous n'avons que le livre du film. Il faut aller à Lower Warden pour l'autre. Est-ce que Darren aurait pu fabriquer une bombe? Je suis sûr qu'on peut tout apprendre sur les bombes en surfant sur Internet. Je vais le revoir ce soir. Je lui poserai la question. Pourquoi? Pourquoi tu vas le revoir? Oh, il a promis de faire quelques recherches sur des maris jaloux et des petits copains jaloux. Et il va m'apporter les cassettes vidéo. Très bien. Je cite les paroles d'Hitchcock. Les acteurs sont du bétail. Oui, oui, je sais, c'est un peu cruel pour le bétail. Alors, donne-lui une réponse évasive. Tu peux lui dire d'aller se faire voir. Les producteurs de films font ça pour s'amuser, n'est-ce pas? Non, parce que c'est bon pour eux. Je déteste les choses qui sont bonnes pour moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je préfère faire ça à ma manière, celle de père. Le choc bref, brutal. Écoute, nous en avions déjà parlé. Nous étions d'accord, tu n'as pas oublié. Dis donc,
Toi, tu n'as pas oublié comment on réglait nos différends quand on était jeunes ? Quoi ? Mais enfin, on ne peut pas régler ce genre de problème en jouant à pile ou face. On parie ? Face. Ma manière. Mon costume va être bousillé. Peut-être, mais c'est ta faute. Tu as gagné à pile ou face, n'oublie pas. Fait ce qu'on nous a dit. On a laissé le colis sur la souche d'arbre et nous nous sommes tenus à l'écart. Maintenant, voyons s'ils sont vraiment forts. Je n'arrête pas de te le dire, frangin. Ce ne sont que des amateurs dans la région. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez! Quoi maintenant ? On surveille l'endroit. Bonjour Hélène. Bonjour Monsieur Webster. Vous êtes bien matinal. Oui, un peu de sport, un bon petit déjeuner et je file à la ville chercher un petit comédien qui a envie de devenir une star. Il va falloir qu'il soit très courageux, le nouveau comédien. Stupide suffira. Vous savez ça, Troy ? Si un acteur qui a le rôle titre tomberait de mort juste avant le début du film, apparemment c'est toujours couvert par l'assurance. Et parfois ça peut se monter à des millions. Il y a sûrement pas mal de gens qui profitent de la situation. Mes 24 heures de passion par la pauvre et pleurée Émilie Gaskell. Il y a quelqu'un qui alimente les tabloïds. Je parie que c'est le journaliste de l'Écho de Costan. C'était là quand tu es parti hier soir ? Non, certainement pas. Lev ? Ah, oh, c'est peut-être le Gaul russe, Lev Yaskin. Non, c'est une référence biblique. Lévitique. Ça vient de la Bible. Le livre cochon préféré de tous les petits gamins. Je vais dire deux mots au révérend Simon. Monsieur Barnaby, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais j'avoue que j'ai besoin de vos lumières pour un problème biblique. Lévitique, chapitre 18, verset 16. Vous avez vu, vous aussi. Vous ne devez pas en être l'auteur. J'ai énormément de défauts, mais je suis dépourvu de vulgarité. Ce chapitre évoque différents interdits dans le domaine charnel. Les êtres humains, et dans les derniers versets, les animaux avec lesquels il n'est pas permis d'avoir de relations sexuelles, selon la loi du Seigneur. Nous y voilà. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Je crois que le message est clair. Je vous en prie. Pourquoi quelqu'un a-t-il écrit ceci sur le mur de votre école, sachant que la police le verrait ? J'imagine qu'on a voulu désigner notre famille. Quelqu'un en particulier ? Je répondrai à vos questions pleinement et franchement, monsieur l'inspecteur. Mais je ne m'intéresse pas aux rumeurs et aux on-dit. Oh, bien sûr, j'en suis convaincu.
Pourrait-on évoquer, s'il vous plaît, la femme de votre frère aîné, Madame Wendy Smythe Webster? Est-il possible que votre frère, Frank, ou même Feu, votre fils, par exemple, puisse avoir découvert sa nudité et que votre frère ait pu y trouver ombrage? Wendy n'est peut-être pas l'étoile la plus brillante du firmament, mais elle est fondamentalement inoffensive. Une petite idiote. Mais en langage vulgaire, une petite allumeuse. Mais je ne crois pas que ce soit une femme adultère. Au-dessus d'un certain âge, ne devrait pas trop faire d'exercice. Promettez-moi de ne pas chercher à retrouver votre jeunesse perdue. Elle est perdue parce qu'elle est faite pour ça. Vous êtes sûr que c'est une attaque cardiaque? Ah ben, il faut que je procède à un examen complet, mais... Pourquoi un homme qui n'a jamais rien fait de sa vie aurait-il les mains dans cet état? Est-ce que ça peut être une brûlure? Voyons ça. C'est en général branché sur le secteur, ça? Eh oui, ces vélos sont truffés de matériel informatisé pour que vous puissiez mesurer votre progression. Examinez cet appareil. Voyez si les circuits ont brûlé. Il devait partir assez tôt pour Londres, m'avait-il dit. Quelqu'un d'autre est allé dans la salle de gym? Non. C'est le seul qui utilisait cette salle, en fait. Il était en bonne forme physique. Est-ce vous qui avez découvert le corps? Oui. En fait, j'ai supposé qu'il avait fait ses exercices et qu'il était remonté dans sa chambre prendre le petit déjeuner. C'est ce qu'il faisait toujours. Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone pour lui et il n'y avait pas de réponse dans sa chambre. Alors, j'ai pensé que je devais aller voir. Et il était là. Je n'avais jamais vu de mort auparavant. Vous devriez rentrer chez vous. J'ai demandé à quelqu'un de venir me chercher, bien. Merci. C'est Elise Bell? Elise Bell. Le vrai. Quel beau gâchis. C'est ta faute. Oui, oui, ça devrait suffire. Alors, tout ce qui est nécessaire pour envoyer le courant dans ce vélo, c'est tout bêtement un jeu de pinces. Oui, et des gants de caoutchouc. Autrement dit, on n'a pas d'empreinte. Et ça vaut la peine de vérifier, mais je ne me ferai pas trop d'illusions là-dessus. Merci.
Et ils ne furent plus que quatre. Je ne trouve pas ça tellement amusant. Est-ce que j'ai dit que je m'amusais? Moi, je trouve ça monstrueux. Inspecteur Barnaby. Je vous en prie, prenez votre chaise habituelle. Merci infiniment. Je vous prie d'accepter mes plus sincères condoléances. Enregistré et apprécié, comme toujours. Il faut que je vous pose une question évidente. Est-ce que votre frère Frank avait des ennemis? Apparemment. Sinon, je suppose qu'il serait toujours vivant. Il était gentil. Tout le monde l'aimait bien. C'est le sentiment général autour de cette table? Il avait beaucoup de charme. Ça, oui, j'en conviens. Qui est chargé de la sécurité? Il n'y en a aucune. Nous fermons les portes, mais les résidents ont des clés, le personnel a des clés. Nous avons tous des clés. J'imagine que toutes les belettes dans le petit bois ont leurs propres clés. Ils doivent probablement garder un double dans leur abri de jardin. Les belettes dans le petit bois, comme dans le vent dans les saules? C'est la façon de parler de mon frère quand il fait allusion à la population de Lower Warden. Qui aimerait tant prendre possession de cet endroit comme les belettes dans le roman. Je ne crois pas que les belettes aient tué les habitants. Tout à fait correct. Je crois me rappeler que M. Crapaud a pu réunir ses troupes et procéder à une autre attaque qui s'est révélée décisive. Et pour être précis, ils ont frappé et frappé et frappé. Écoutez, deux membres de votre famille se sont fait tuer en très peu de temps. Et quand je vous parle, à vous ou à n'importe qui d'Upper Warden, sur les mobiles possibles, tout le monde me désigne tout de suite Lower Warden. Ah, bien sûr. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Je suis sûr que vous me pardonnerez, Madame Wendy Smythe-Webster. Mais il est temps de parler franchement. Je me suis laissé dire que vous auriez eu une relation sexuelle avec feu votre neveu. Ce qui ne manquerait pas de fournir à votre mari un mobile sérieux pour le tuer. Et les graffitis qui sont apparus sur les murs de l'école hier soir indiquent que l'un ou l'autre de vos trois frères avait une relation extramaritale avec l'une ou l'autre de vos deux femmes. Ce qui, si c'était Franck, aurait aussi donné au frère éploré un mobile pour l'assassiner. Notre famille a ses secrets, comme toutes les autres familles. Mais si ces secrets poussaient l'un de nous au meurtre, nous le ferions d'une façon plus élégante, avec une balle dans la tête. Et face à face. Et n'oubliez pas, le principal but de cette famille, peut-être même le seul véritable but, c'est de survivre. Il y a écrit Shining parce que c'est un film que j'aime bien. C'est ma seule copie, alors... Nous y prendrons beaucoup de soin. Bon. Vous allez parcourir la liste des gens qui ont déposé des bouquets de fleurs pour Larry Smith. Tout ça? Tout ça, Darren. Je vous ai même offert une bière pour rafraîchir votre mémoire. Oh, d'accord. Alors, santé. C'est sûrement Emily Gaskell. Elle habite Lower Warden. Nous avons vu Emily. Mais pourquoi une habitante de Lower Warden viendrait-elle déposer des fleurs pour un Smythe Webster? Emily est fiancée à Phil Harrison,
qui habite Lower Warden. Il refait les moulins à vent. Il vit même dans l'un d'eux. Dans un moulin ? Il peut réparer n'importe quoi, mais les moulins, c'est ce qu'il préfère. Les moulins à vent, ou les moulins à eau, ou encore les moulins à poivre. Ça, c'est une blague. Suivant. Là, il y en a une normale, Wendy. Vous parlez de la maîtresse de maison ? Et est-ce que c'est une lady ? D'après ce que peuvent dire les gens, pas tout à fait. Mais j'ai bien dit les gens, pas moi. J'essaie de ne pas avoir d'opinion. Darren ! Ah, oh, mais c'est moi, ça, n'est-ce pas ? Mais vous savez tout sur moi. Pas tout. Vous êtes un homme de Upper Warden ou de Lower Warden, plutôt ? En fait, je travaille plutôt à Upper Warden. Mais la plupart du temps, je vis avec ma grand-mère à la limite de Lower Warden. Mais vous êtes dans l'armée territoriale d'Upper Warden ? Bien. Je vous remercie. Pas de dernière question ? Colombo a toujours une dernière question. Si vous insistez. Une petite question encore. Dans votre armée, est-ce que vous manipulez des explosifs ? Harrison ? Qui le demande ? Inspecteur Troy, police criminelle de Coston. Oui, je suis Phil Harrison. Quel est votre problème ? Ce serait plutôt le vôtre. Larry, mon amour perdu par la pauvre Emily Gaskell. Je ne serai pas votre fiancé ? Et alors ? Vous voulez dire qu'il ne s'est rien passé entre Larry et elle ? Rien qui me préoccupe. Si ça m'avait préoccupé... J'aurais pris Larry par la peau du cou et je l'aurais viré de la ville, en lui filant une belle correction. Comme à l'armée. Comme à l'armée ? Vous avez été militaire ? Oui, après mes études. Vous avez une certaine expérience des explosifs ? Oui, bien entendu. C'est le job. On ne peut pas faire respecter la paix sans utiliser des bombes quand il faut. Où étiez-vous quand la bombe a explosé ? Simple curiosité. J'étais ici. Je préservais l'héritage de la nation. J'ai entendu l'explosion. Vous faites des travaux dans le manoir ? Oui, j'ai aussi des travaux sur le toit, là-bas, en ce moment. On doit prendre le boulot quand il vient, on n'a pas le choix. Je peux reprendre mon travail, maintenant ? Et je vais reprendre le mien. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Je ne travaille pas ici, je donne des coups de main. Tout comme j'aide M. Wilson à la librairie. J'avoue que je cherche ma voie. Et vous ne la trouvez pas ? Ne riez pas. Je n'ai pas l'intention de rire. Je voudrais bien être metteur en scène. Vous aurez le temps d'y penser plus tard. Avant-hier soir, vous travailliez, vous donniez un coup de main en tant que portier de nuit ? Oui. Vous avez vu quelqu'un entrer ou sortir ? Pas vraiment. Je suis arrivé à minuit et tout le monde était déjà rentré, alors moi je suis allé dormir dans le petit bureau qui est là. Il y a un timbre sur le comptoir qui permet de m'appeler. Mais personne ne vous a appelé cette nuit ? Seulement Danny, Danny le chef. Il arrive à 6h du matin pour préparer le petit déjeuner et il appuie sur le timbre. Mais c'est plus pour rigoler. C'est un rigolo ce Danny. Danny est ici ? Il est dans la cuisine. Va donc lui parler, Troy. Moi, je vais voir les belettes dans le petit bois. Les belettes ? Je crois qu'il est temps d'entendre l'histoire version Lower Warden.
Qu'est-ce que c'est? Va-t-on lire d'autres pages des Nuits de la Passion? Vous devez être Danny. C'est moi. Inspecteur Troy, police criminelle de Coston. Vous connaissez l'inspecteur chef Barnaby? Oui, c'est mon patron. Alors j'ai quelque chose pour lui. Vous avez fini ici. Vous avez une déclaration pour la presse? Oui. Partez et vite. C'est pour Madame Barnaby. Excusez-moi. Elle est bienvenue à la cérémonie d'ouverture comme laitière, inspecteur. Il me semble, oui. Elle avait apprécié mes boulettes de viande et j'avais promis de lui donner la recette. Oh, merci, Danny. Je la lui remettrai. Les policiers ne sont pas vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Mais si les Smythe Webster racontent des saletés à notre sujet, je vais faire ce que je peux pour établir la vérité. J'ai entendu dire qu'Ellis Bell était un homme de Lower Warden et que la population de Lower Warden était plus que contrariée de la façon dont les Smythe Webster s'étaient approprié son homme. Ellis Bell. Née hors des liens du mariage, ici, à Lower Warden, en 1867. Mort dans la pauvreté à Coston, en 1930. L'année de la grande crise économique. Hors des liens du mariage. Sa mère travaillait dans le manoir à Upper Warden. Elle avait été séduite par le fils de la maison. Les Smythe Webster ont nié la paternité, mais ensuite, ils ont aidé le jeune Ellis Bell à devenir enseignant. Donc je crois que c'est un aveu de culpabilité, n'est-ce pas? Tout est écrit dans le roman. 9,99. Ah, très bien, merci. Ça a l'air différent du roman tiré du film. C'est parce que l'original est un roman à tendance politique prononcée. Son titre était « La maison de Satan » parce que l'auteur voyait les Smythe Webster totalement corrompus de haut en bas. Ils ont pris ce roman et ils l'ont transformé en film d'horreur primaire. Donc vous n'êtes pas une des plus grandes admiratrices des Smythe Webster. Tout ce que nous avions de valeur, ils nous l'ont volé. Nous, on rêve de vérité. Eux, ils rêvent de pouvoir. Qui a eu l'idée de tourner ce film? Voyez Jack Wilson, le barde d'Upper Warden. Oh, le rédacteur des lettres ecclésiastiques. Et un écrivain raté. Le plus dangereux animal de la jungle, un écrivain raté. Si vous détestez ces gens à ce point-là... Est-ce que je pourrais commettre un meurtre? Non. Je suis une pacifiste notoire. Interrogez vos RG, posez-leur des questions sur Sarah Proudy. Ils vous le diront. Laissez-moi vous donner un sac pour ça. Merci. Est-ce que la bombe peut être plus forte que l'épée? Celle-là ne peut pas tuer. Et vous devez connaître le Lévitique.
Je n'ai pas rejeté la Bible sans l'avoir lue d'abord. Vous me prenez pour quel genre de femme ? Vous avez toujours été chef ? C'est le seul travail que j'ai fait. Et vous avez fait ce métier juste après vos études ? Pas exactement. Nous sommes très forts pour garder un secret. Et ce n'est pas un secret. La presse l'a publié. J'ai appris la cuisine en maison de redressement. Ah, le pavillon de cricket. Oh, vous en avez entendu parler ? Je n'ai rien fait, bien sûr. Mais je suppose qu'ils disent tous ça. Oui, en effet, ils disent tous ça. Quand je suis sorti, M. Ruppert m'a offert la place ici. Et la réhabilitation marche. J'en suis la preuve vivante. Il m'a même envoyé suivre des cours de gestion. Je pourrais peut-être finir par diriger la maison pour la famille. Un vrai directeur. Ce serait drôle. Il n'y a aucune raison pour que vous vouliez tuer Larry Smith ou Frank Webster. Les Smith Webster sont peut-être une bande de dégénérés. Mais ils ont été bons avec moi. Asseyez-vous, je vous en prie. De la belle qualité, n'est-ce pas ? C'est à vous ? Oui. C'est une sorte de cadeau de Monsieur Ruppert. Je suppose que ça vaut une somme. 50 000 livres chacun, je présume. Ah, et qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça ? Il n'a jamais eu d'enfant. Alors, il m'aime bien, on dirait. Je le fais hurler de rire. Allez vous renseigner. Tout le monde aime Danny. Déjeuner. Merci. Des résultats au manoir ? Messieurs Danny et Darren étaient aux bons endroits et au bon moment pour les deux meurtres. Des mobiles ? Darren est un personnage bizarre qui en veut de façon obsessionnelle à Frank de ne pas lui avoir donné de rôle dans le film, mais je ne le vois pas commettre des crimes de sang-froid. Et la cassette vidéo qu'il t'a donnée ? C'était celle de Shining. Il a mélangé les étiquettes, il s'excuse bien évidemment. Il va m'apporter la bonne. Et Danny le chef ? Oh, il m'a demandé de vous donner cette recette pour Madame Barnaby. Ils se sont rencontrés pendant la reconstitution, semble-t-il, juste avant que la bombe explose. C'est pas vrai, merci. C'est absolument écœurant. J'ai pas pu trouver mieux, chef. Ça vient du pub. Parle-moi un peu de Danny. Il semble très populaire. Tout le monde l'aime bien. Il l'a dit lui-même. Et il est vraiment bien avec la famille, en particulier avec Ruppert. Ah, vraiment. Et quand deux des héritiers naturels se font assassiner, il ne te vient pas à l'esprit qu'il pourrait s'impatienter ? Ou peut-être même anticiper les souhaits de son maître ? Oh. Comment ça s'est passé avec les belettes ? Je sais qui a inscrit le nom de ton Gaul russe sur la porte. Ah oui ? Et qui est-ce ? Sarah Prudy, directrice du musée du fameux Ellis Bell. Soit c'est parce qu'elle sait quelque chose sur la famille Smith-Webster que nous ne connaissons pas, soit parce qu'elle veut détourner notre attention de Lower Warden. Elle m'a aussi dit que la personne la plus fâchée par le film était le libraire, Jack Wilson. Oui ? Bonjour. Bonjour, Monsieur Wilson. Ah. Pardonnez cette pagaille, je n'attendais pas de visite. C'est une visite de routine pour confirmer ou corriger certains détails. Est-il exact que c'est vous qui avez eu l'idée de faire une adaptation du roman de Bell ? Ce n'est pas un secret. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'ai acheté un exemplaire du roman quand Sarah Prudy l'a fait réimprimer. Je l'ai porté à Monsieur Smith Webster, lui ai suggéré que cela pourrait faire un film à succès et qu'il devrait le montrer à son frère Frank. J'ai vu Monsieur Webster. Il a aimé le titre. Ensuite ?
et il m'a encouragé à lui écrire ceci. La maison de Satan, adaptation de Jack Wilson. Et un an plus tard, l'équipe du film arrivait. Ils ont utilisé une adaptation faite par quelqu'un avec qui il avait fait ses études. Vous devez probablement savoir que c'est devenu un film d'horreur. Ils vous ont payé un dédit? Pas un penny. J'aurais pu avoir 2 jours de tournage en jouant le rôle d'un cadavre, mais j'ai refusé. C'est une pièce de votre duplicateur, Monsieur Wilson? Non. Vous me voyez travailler en ma qualité d'armurier honoraire de l'armée territoriale du village d'Upper Warden. Est-ce que vous gardez des munitions ici, Monsieur Wilson? On me permet d'utiliser des balles à blanc quand je me livre à des exercices de tir. Mais les véritables balles pour les stands de tir ne peuvent être obtenues qu'avec l'autorisation du major. Le major Rupert Smythe Webster? Oui, monsieur. Ce sont des fusées éclairantes, de simples fusées de feu d'artifice. Vous avez un inventaire? Merci. Vous vous êtes empressé, Monsieur Wilson, d'accuser les habitants de Lower Warden d'avoir commis ces assassinats. Et même si vous aviez de bonnes raisons de vous sentir quelque peu trahi. Vous avez refusé de travailler dans le film, avez-vous dit? Et cependant, vous étiez là le jour de la mort de Larry, déguisé en maréchal ferrant du village. La vie est trop courte pour garder des rancœurs. Il en manque une, monsieur. Il y a suffisamment d'explosifs dans une caisse pour faire exploser le pavillon. Je n'ai rien à voir avec ça. Comment expliquez-vous la caisse manquante? Je ne savais pas qu'elle avait disparu. Qui d'autre a une clé? Seulement le major, monsieur. Madame Smythe Webster? Bonjour. Que faites-vous? Vous utilisez le shopping comme thérapie? Non. J'ai juste pensé que ça pourrait me changer les idées. Et ça fonctionne? Pas vraiment. Troy? Maintenant que nous sommes bien loin du manoir, je voudrais poser une question un peu délicate. Encore une? Aviez-vous une liaison avec le frère de votre mari? Lequel des deux? Simon ou Franck? Eh bien, l'un ou l'autre? Non, ni l'un ni l'autre. Simon est vicaire. Et Franck transpirait des pieds. J'aime bien cet ensemble, pas vous? Diriez-vous que c'est beige? Chef! Je crois que votre adjoint a besoin de vous, Monsieur Barnaby. Je le crois aussi. Excusez-moi. J'ai une liste des numéros de téléphone que Frank Webster a appelés de son portable. Bien. En majorité, à son bureau à Londres et aussi à une maison de production à Los Angeles, mais aussi à Sarah Proudy et Phil Harrison à Lower Warden. Phil Harrison qui vit dans le moulin à vent? Exactement. Tu as hâte de passer à l'action? J'ai pris rendez-vous avec Phil ce soir pour un verre à la chapelle. Excellent. Tu vas me l'occuper au pub pendant que je fais un saut au moulin à vent.
Trop petit et trop tard. Et puis d'ailleurs, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Désolé de vous interrompre. Je cherche le pub appelé La Chapelle. À première vue, ce doit être le bâtiment en face qui ressemble fortement à une chapelle. Bien que ce ne soit plus une chapelle depuis plus de 50 ans. Nous n'avons pas trop de temps pour le seigneur à Lower Warden. Et il ne paraît pas être de notre côté. Ah, merci. C'est bien essayé, Rupert, mais c'est beaucoup trop tard. C'est près de 1000 ans trop tard. Oh, bravo, vous me comprenez alors. On fait une partie? J'ai rendez-vous avec quelqu'un, mais il n'est pas là. Je suis en service. On peut faire une petite partie et vous pouvez mener votre enquête en même temps. C'est le perdant qui paye les verres, d'accord? Webster vous a téléphoné plusieurs fois au cours de la semaine. Pour quel motif? Le moulin. Le moulin? Oui, il voulait un moulin pour la maison de Satan numéro 2. Pour que le méchant connaisse une mort plutôt horrible. Cela dit, je ne crois pas que ce soit encore valable, vu la façon dont tournent les choses. Honneur aux visiteurs. D'accord. On a un arnaqueur dans nos murs? Troy de Cincinnati. Vous êtes copain? Ouais, bien sûr, pourquoi? Et ça remonte à un bail. Mais pourtant, vous faites profil bas au manoir. Et vous êtes le grand chef. Vous êtes toujours le bienvenu à Lower Warden. Ah, tous ces trucs ont dû être racontés par l'autre fou. Non, nous n'avons pas brûlé de château par ici depuis 500 ans. Un château, peut-être pas, mais un pavillon de cricket. Une autre bière? Ah, merci, inspecteur, c'est très sympa de votre part. On ne s'amuse pas. Le billard n'est pas ma spécialité. On a remarqué. Ah, c'est ça le secret. Nous devons tous trouver notre spécialité, n'est-ce pas? Comme les nuits de passion. Et quelle est votre spécialité? Remporter la lutte des classes? Ça fait un peu années 60. Mais je suppose que c'était bien avant votre époque. Thank you.
Monsieur Barnaby! Que voulez-vous? Je ne peux pas trop parler ici, il se trouve que c'est privé. Ça pourrait conduire à une arrestation. Alors faisons vite, l'inspecteur Troy va vous recevoir. Darren? Faut que vous preniez votre calepin. Et le magnéto. Le magnéto? Vous devez l'enregistrer. Et quoi donc? C'est pas évident. J'ai des aveux à faire. Voilà. Il y a eu deux assassinats, Darren. Quel est celui que vous nous avez caché? Peut-être qu'il s'agit des deux. J'ai crevé vos pneus. C'est une vieille tradition. Une fois par mois, quelqu'un de Upper Warden descend à Lower Warden et fait quelque chose de pas bien. Ce mois-ci, c'était à mon tour, alors j'ai crevé les pneus de votre voiture. Mais je croyais que c'était une voiture de Lower Warden. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était la vôtre. Mon cher Darren, voilà une affaire que nous allons tenter de garder entre nous, en ne vous donnant qu'un avertissement. Vous ne voulez pas entendre l'autre truc? Quel autre truc? Eh bien, ce que j'ai vu à Lower Warden après avoir crevé les pneus. Et qu'est-ce que vous avez vu? Je me cachais de l'autre côté de la rue. Enfin, pour moi, je ne me cachais pas, mais d'autres penseraient le contraire. Et j'ai vu Danny et Phil sortir du pub, et ils ont eu une discussion. Et alors, il est où cet argent? Il ne m'a pas donné l'argent! Me mène pas en bateau! Tu me files cet argent! C'est pas la peine d'assister! On se verra demain matin. Ils se disputaient pour de l'argent? Oui, ça j'en suis sûr, pour de l'argent. Avez-vous remarqué d'autres événements pendant que vous étiez caché dans la rue? J'ai apporté des vidéos. Je fais des documentaires en cachette, c'est un peu comme si j'espionnais les gens avec ma caméra. Et... tenez. Celle-là, c'est celle que vous vouliez pour la cérémonie d'ouverture sur l'expérience satanique. L'explosion est superbe sur celle-ci. Qu'est-ce que vous en faites après les avoir visionnées? Je les mets sur mon site web en espérant qu'on découvrira mes talents cachés. Mais le problème, c'est que je ne sais plus ce qu'il y a dessus. Alors, le meilleur moyen, à mon avis, c'est de s'y coller et de tout regarder. Ça, c'est quand ils ont tourné la maison de Satan l'an dernier. Le premier jour du tournage, ils ont organisé une petite fête pour que les villageois puissent connaître Larry Smith. C'est Sarah Prudy? Ouais, Madame Prudy était là. Madame Prudy? Elle est mariée? Je crois qu'elle l'a été. Elle se fait appeler Madame depuis qu'elle est émancipée. On dirait qu'ils se disputent. C'est bien possible. Malheureusement, c'est la fin. Désolé, c'est une vieille cassette. On a tourné ça juste avant que le micro nous lâche. C'est Phil Harrison? Ouais. Il est brillant. Il gagne toujours. Danny est brillant lui aussi, mais il est meilleur sur piste. Ils ont les mêmes motos. Mais en fait, ils ont toujours été bons copains. Darren, vous êtes un prince parmi les hommes. Qu'est-ce que nous cherchons, chef? La dispute à laquelle Darren a assisté devant le pub hier soir n'était pas seulement pour une question d'argent. Je crois que c'était une dispute entre deux individus louches. J'ai vu Danny venir ici hier soir pour chercher quelque chose. Ça devait être de l'argent. Et il venait sûrement des Smythe Webster. Mais il ne l'a pas trouvé. Donc manifestement, quelque chose a mal tourné. Un chantage, d'après vous?
C'est possible. De l'argent sous la menace. Payer ou bien on continue à massacrer votre famille. Danny attend sa part du magot. Et au lieu de ça, il trouve... Il trouve ceci. C'est meurtre, Danny. Oui, monsieur. On ne peut pas continuer comme ça, n'est-ce pas? Nous allons bientôt ne plus avoir de famille, n'est-ce pas, monsieur? Vous avez une façon bien agréable de présenter les choses, Danny. Avez-vous trouvé quelque chose à Lower Warden? J'ai fait un peu de progrès. On peut dire que mon enquête suit son cours. J'ai essayé d'ouvrir des négociations avec Sarah Prudy, mais... Elle m'a dit que je m'adressais à la mauvaise personne. Oh, Madame Prudy, c'est à peu près tout ce qui se passe à Lower Warden. Mais je ne crois pas qu'elle approuve quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, tout cela est si épouvantable. Je suis sûre que ça affecte mes ongles. Ça. Je te rejoins plus tard. Madame Smythe Webster. Bonjour. Je ne me rappelle pas avoir apprécié un jour aussi bon. Vous avez essayé de faire disparaître les graffitis du mur, n'est-ce pas? Oui. Vous semblez croire qu'ils font référence à Wendy. Elle était vraiment bouleversée. Elle est particulièrement sensible. Stupide, mais sensible. Mais s'ils ne font pas référence à Wendy, alors... C'est à moi, inspecteur. C'est moi dont la nudité a été découverte. Ah, d'accord. Mais alors, j'ai une question. Par quel frère? Oh, je vous en prie. Frank, bien sûr. Frank était amusant, il m'a fait rire. Et je ne ris pas facilement. Il y a combien de temps? Un peu plus de 20 ans. Est-ce que ça veut dire que Larry était... Oui. Larry était le fils de Frank. Est-ce que votre mari est au courant? Oh oui. Comment a-t-il réagi à l'époque et comment réagit-il aujourd'hui? Il haïssait Frank. Il haïssait Larry. Et moi, il me hait sûrement. Mais nous n'en avons jamais parlé. Est-ce que vous croyez que votre mari a tué Larry et tué Frank? Non. Cela dit, je ne pense pas qu'il soit fâché que quelqu'un l'ait fait à sa place. Simon est résolument chrétien. Tout est volonté du Seigneur. C'est une façon bien pratique de considérer les choses. Ça veut dire que tout ce qui arrive n'est la faute de personne. C'est une interprétation sournoise. La vie au manoir, inspecteur. Je t'en prie. Je vais prier. Tu peux te joindre à moi si tu veux.
Vous vous êtes vraiment dévoué au souvenir de Elise Bell, n'est-ce pas? C'est un peu normal, je suis son arrière-petite-fille. Ah, j'ignorais. Vous dites, dans votre préface de la nouvelle édition de La Maison de Satan, que quand le premier roman est sorti en 1897, les Smythe-Webster de l'époque ont acheté les éditeurs. Ils ont vraiment acheté les éditeurs et brûlé des livres. Ils ont fait d'un immense feu de joie dans le jardin du manoir. Ouais. Et une centaine d'années plus tard, ils l'ont volé à nouveau. Ils l'ont trahi et gagné une fortune. Ils ont pris un bon roman et ils en ont fait de la soupe. C'est ce que vous avez dit à Monsieur Rupert Smythe-Webster quand il est venu vous voir ici hier soir? C'était une visite de courtoisie. De courtoisie? Je suis très surpris que vous employiez cette expression. Il y a 30 ans, nous avons eu une brève et dangereuse liaison. Tout s'est terminé dans les larmes, bien sûr. Pour lui, pas pour moi. Il y a un homme foncièrement honnête, enterré sous un millier d'années d'histoire. Et je croyais pouvoir le déterrer. J'avais tort. Mon adjoint dit qu'on vous a offert de l'argent. Que j'ai refusé. Pourquoi? J'ai approché Frank Webster à un moment opportun pour le prier d'apporter sa contribution à mon musée. Il a dit que le roman n'était plus protégé et que je ne devais pas rêver. Fin de l'histoire. Je ne m'aplatis pas devant ce personnage. Je ne m'aplatis devant personne, comme vous avez dû vous en rendre compte. Elsie Pinchel. C'est la mère de Danny? Elle est morte il y a une quinzaine de jours. Une sage-femme légendaire dans cette paroisse. Et une formidable commère. Elle aurait répondu à toutes vos questions, qu'elle ait connu les réponses ou pas. Vous croyez? Que pensez-vous de Danny? Oh, tout le monde aime Danny. Je crois que c'est ça son problème. Il veut être aimé par tous. Et ça, c'est délicat. C'est la fameuse chapelle? C'était, oui, avant que le Seigneur se retire. Et la République du Peuple de Lower Warden l'a transformée en lieu de boisson. Nous avons fait les transformations nous-mêmes. C'était une entreprise collective. Phil s'est occupé des murs, Danny de l'électricité, et j'ai brûlé l'hôtel. Danny a fait l'électricité? Oui, c'est un génie de l'électricité. Troy, retrouve-moi à l'hôtel dans 10 minutes, s'il te plaît. Il faut qu'on parle à Danny. Hélène, comment allez-vous? Un peu mieux, merci. Danny est là ce matin? Il est dans la cuisine. Bien. Dites-lui qu'il a oublié mon café. Promis. Hélène, est-ce que Danny a eu de la visite ce matin? Seulement Monsieur Smythe-Webster. Et il est reparti à quelle heure? À vrai dire, je ne l'ai pas vu repartir, il a dû sortir par la porte de derrière. D'accord, merci. Il n'est pas arrivé quelque chose à Danny? Si, quelque chose est arrivé à Danny. Bonjour, Barnaby. Alors, votre enquête avance? Bonjour. J'ai encore une ou deux petites questions à vous poser. Je me suis laissé dire qu'avec Sarah Prudy de Lower Warden, vous ne faisiez qu'un, si vous me pardonnez l'expression. Mon Dieu. Vous avez creusé bien profondément. Oui, mais il semble que cela vaille la peine de creuser par ici. Elle a dit
qu'on ne pouvait pas avoir de relation interclasse par ici, parce qu'une des familles possédait tout. Elle n'avait pas tort. Donc je suis retourné au milieu des miens. Mais tout est fini maintenant. À votre santé. Merci. Que voulez-vous dire par « tout est fini maintenant » ? Jetez un coup d'œil sur la photo qui est sur le manteau de la cheminée. Les Smythe Webster quand ils étaient jeunes. Vous ne remarquez rien ? Je vois que vous étiez quatre. Exactement. En fait, mon frère aîné, Saint John, a envoyé sa Ferrari dans un mur quand il était à Oxford. Et nous avons tous emménagé ici. J'ai hérité la direction de cette maison au lieu de prendre le poste de vicaire. Ça vous aurait plu ? C'est une bénédiction. Les heures sont très fantaisistes et vous avez le droit de cuissage sur les jeunes femmes du club. Mais pourquoi avez-vous dit que tout était fini maintenant ? Le problème, c'est qu'avant que mon frère aîné se soit tué bêtement, j'avais eu une opération, une vasectomie. C'est Sarah Poudy qui en a eu l'idée. En fait, je n'étais pas dénué de sens à l'époque, à cause des jeunes femmes. Simon, comme vous l'avez sûrement remarqué, est fondamentalement asexué. Et Franck était très prudent après son aventure avec Laura qui a abouti au petit Larry. Nous n'aurons plus de famille, monsieur Barnaby. Elle a vécu 1000 ans et elle va s'éteindre. Et que pensez-vous faire ? On a pensé à l'expérience satanique pour finir en beauté. Cet endroit devient célèbre, on le vend à une importante compagnie immobilière et nous avons une petite fortune à dépenser jusqu'à la fin de notre vie. Et voilà, c'est le bout de la route. Mais pourquoi ? Pourquoi quelqu'un a-t-il voulu la mort de votre neveu et de votre frère ? Pourquoi ? Nous avons l'argent, les autres pas. Une caisse de fusée a mystérieusement disparu il y a quelques jours. Monsieur Wilson dit que la seule autre personne à avoir une clé de l'armurerie, c'est vous. Vous croyez que j'ai tué Larry ? Quelqu'un d'autre avait accès à votre clé ? Je l'avais égarée pendant 2 ou 3 jours, mais je l'ai retrouvée. Et je n'y ai plus pensé. Je crois savoir que Danny Pinchel est un personnage que vous aimez bien. C'est un bon garçon. Il fait abstraction de l'argent que je possède et il me parle comme à un être humain normal. Le considérez-vous comme un héritier potentiel ? Je ne sais pas ce qu'il a pu vous raconter, mais c'est tout à fait ridicule. J'ai simplement dit que si nous vendions le domaine, nous tenterions de protéger son job, mais ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous vous êtes disputé avec lui ce matin ? À cause de la clé, peut-être ? Danny ? Vous croyez que Danny a volé la clé ? Non, non, non. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec lui. Il est mort maintenant. Quoi ? Comment ça, il est mort ? On l'a assassiné. À peu près à l'heure de votre visite. Mais... on n'a pas pu tuer Danny. Tout le monde adore Danny. 3 possibilités. Il y a un bleu qui indique qu'il a été frappé à la tête. D'autres marques sur le cou indiquent qu'on a essayé de l'étrangler, mais... mais j'ai comme l'impression qu'il a été noyé, en réalité. Noyé ? Dans du gazpacho. Dans quoi ? C'est une soupe froide à la tomate. Je dirais qu'il a eu le visage maintenu là-dedans. Par un assassin dont les vêtements doivent être dans un état lamentable. Ça ne cadre pas avec les autres. Danny n'était pas un Smythe Webster. Pas encore, en effet. Danny, le chef ? Qu'est-ce que vous allez faire avec celui-là ? Dire que c'est une affaire de drogue et ranger le dossier dans une armoire ? Vous êtes passionné par tous ces meurtres, n'est-ce pas, monsieur Murdoch ? C'est mon travail. Vous voyez un moyen de vous faire connaître, n'est-ce pas ? Moi, j'y vois un mobile de meurtre. Scandaleux. C'est effectivement ce que je veux dire. Votre meilleur plan, c'est de vous efforcer de rester hors de mon champ de vision. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions... Est-il vrai qu'un habitant de la région vous aide dans votre enquête ? Bien, si c'était le cas, ce serait une première. Chef ?
J'ai trouvé ça dans la poche de Danny. C'est le journal de sa mère, on dirait. Excellent. Est-ce qu'on parie que Phil a fait une balade sur cette moto ce matin pour tuer Danny? Message reçu 5 sur 5. Je croyais qu'un des buts de l'émancipation des femmes, c'était de ne plus avoir à laver le linge sale des hommes. Troy, merci. Désolé pour cette petite plaisanterie. Je ne sais pas où je suis allé chercher cette idée. Mon adjoint a quelque chose à vous dire. Philip Harrison, vous êtes accusé des meurtres de Danny Pinchell, Larry Smith et Frank Webster. Mon neveu était un bon à rien, mon frère était un bon à rien, et j'oserais dire que moi aussi je le suis. Mais tout le monde adorait Danny! Non, non, non! Tout le monde avait tort. Danny était le pire d'entre tous. Mais, ça veut dire quoi exactement? Danny était le pire d'entre tous. C'était lui le cerveau. Je n'ai fait qu'appuyer sur le bouton. Danny a emprunté votre clé de l'armurerie et a planifié l'explosion qui a tué Larry. Phil a déclenché l'explosion avec la télécommande. Mais c'est Danny qui a donné le signal avec son téléphone portable. Non. Je ne peux pas le croire. Mais pourquoi? J'ai vu Frank Webster se moquer de toi. Tout ça parce que une de nos nullités d'ancêtres a écrit un roman minable. C'était notre ancêtre. Tu connais la loi. Il n'y a plus de droit d'auteur pour un livre 70 ans après la mort de l'auteur. Elisabeth appartient à tout le monde aujourd'hui. Il est du domaine public. J'aurais pensé que quelqu'un te l'aurait expliqué. Il n'aurait jamais dû se moquer comme ça. Après la mort de Larry, Frank était censé venir vous remettre l'argent. Mais il ne l'a pas fait, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Je voulais le faire payer, il ne voulait pas. On l'a tiré au sort. Ma manière. Il se prenait pour quelqu'un de fort.
Mais c'était pas vrai. Et je présume qu'ensuite vous alliez mettre la pression sur Rupert. C'est lui qui avait le plus d'argent. Je peux comprendre que Phil déteste la famille. Mais pourquoi Danny? Dites-lui, Phil. Je suis allé le voir ce matin. Nous avons eu des mots. Et tout à coup, il a dit... Ah, tu n'es qu'un crétin, exactement comme ton père. Mais je n'ai pas de père. Tout le monde en a un quelque part. Le tien, c'est le seigneur du manoir. Hein? Mais ouais. Si tu ne me crois pas, je te montre le journal intime de ma mère. Ah oui, Rupert serait mon père. Alors je pouvais tout gâcher, n'est-ce pas? En fait, tu m'as piégé. Tu voulais me faire plonger pour toute cette histoire. J'avais bien plongé pour le pavillon de cricket. Tu m'éliminais, tu avais la voie libre. Avoue que c'est beau, l'amitié. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement? La mère de Danny était la sage-femme quand Phil est venu au monde. Elle disait toujours aux mamans, si quelque chose tourne mal, je voudrais savoir qui est le père. Et je lui ai dit. Elle écrivait toujours les noms sur son journal intime. Celui-ci, nous l'avons trouvé sur le corps de Danny. Oui, Rupert. C'est vous qui êtes le père de Phil Harrison. Oui. Je suis votre fils et héritier. Le problème, c'est que vous auriez trouvé un moyen de m'avoir. Il n'était pas possible qu'une racaille venant de Lower Warden prenne possession du manoir. C'est pour ça que je n'ai jamais rien dit. Tu as eu raison, maman. Regardez-nous. Quelle belle famille. Au revoir, cher père. Alors, on reprend la vie normale ? La normale est parfois bizarre dans cette région, Monsieur Wilson. Pas d'accord. Ce sont les autres qui sont bizarres.
ne savais pas que tu te passionnais tant pour le jardin. Je m'efforce de l'entretenir pour mon fils. Crois-tu qu'il soit trop tard pour qu'on soit amis ? Oh oui, je le crois. Pas toi ? Tu as raison. C'est un très bon livre. Oui, il est très bon. Tu ne m'avais pas dit que le héros s'appelait Harrison ? Phil Harrison ? Il ne me l'a pas demandé. C'est ton marque-page ? Probablement. Ah non. C'est la recette des boulettes de viande de ton ami Danny. Il semblait si charmant. Ah oui. Tout le monde l'aimait bien.